Bonjour. Ici Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux Nouvelles Locales. À Lac-Beauport, trois puits équipés de pompes submersibles alimentent les secteurs liés au réseau d'aqueduc. Depuis 1994, la municipalité utilise le puits P2 d'une capacité de 1500 litres par minute qui peut approvisionner 2000 personnes. Le puits P1 est un puits d'appoint. Pour répondre à l'accroissement de la population, le puits P3 a été foré et a été mis en fonction en juillet 2006. L'eau nécessite seulement quelques traitements pour être propre à la consommation, soit une correction du pH, l'ajout d'un anticorrosif pour la protection des conduites et une désinfection au chlore. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, rendez-vous au lac-beauport.québec. La pandémie a coupé les ailes de bien des boutiques et restos. Les gens sortent moins, achètent moins, l'inflation nuit à tout le monde et la bulle boutique ne fait pas exception. Devant les difficultés, les propriétaires Mme Marie-Ève Thomassin et Mario de Lemaire ont résolu leurs problèmes de façon fort intéressante. Elles partagent leurs locaux avec un traiteur du coin bien connu et avec un magasin de bonbons offrant des gâteries exotiques. Le traiteur Alpin et Sweet Avenue Beauport. Elles ont choisi des boutiques qui offrent des produits de qualité, ce qui pourrait attirer de nouveaux clients et inciter les curieux et les gourmands à leur rendre visite. Découvrez ces boutiques à la page 4 du journal Le Lavallois. Et du côté de Stoneham et Tewksbury, c'est avec une immense fébrilité que l'équipe fraîchement renouvelée du marché public des cantons vous annonce qu'ils offriront encore cet été une belle aventure. Après avoir refait le plein d'énergie, toute l'équipe se prépare à vous offrir un marché rempli de nouveautés et s'affaire déjà au recrutement des producteurs 2024. Les nouveaux membres ainsi que les habitués se feront un plaisir de vous concocter une cuvée 2024 remplie de découvertes. Avec des producteurs locaux et une offre variée d'ateliers qui fait la promotion de l'activité physique chez les jeunes et moins jeunes, ils feront de vos jeudis des soirées rassembleuses et conviviales. Le retour des dégustations réveillera vos papilles gustatives et vous fera découvrir de merveilleux produits artisanaux. Le programme Pour la relève sera toujours présent avec de nouveaux défis pour les enfants et vous pourrez profiter du terrain de pickleball tout en dégustant vos produits favoris dans une ambiance familiale. Apprenez-en davantage à la page 16 de l'Écho du lac. Les parcs du Brûlé et de l'Éperon ainsi que plusieurs endroits montagneux se trouvent en période de dégel. La boue, la neige et l'eau recouvrent les sentiers, les rendant glissants, mais aussi vulnérables à l'érosion printanière. La municipalité demande de les utiliser le moins possible lorsque vous constatez que les sentiers sont boueux et surtout d'éviter la randonnée à vélo afin de ne pas les abîmer pour le reste de la saison. Si les sentiers vous appellent et si le cœur vous en dit, joignez-vous à l'organisme bénévole LB Cycle qui fera des corvées d'entretien au parc du Brûlé prochainement. Lisez l'article complet à la page 3 du journal L'Écho du lac. Au premier signe du printemps, l'envie de faire le nettoyage se fait fortement sentir, mais les accumulations importantes de neige mouillante ont brisé des branches. Pour en disposer, elles doivent être attachées et coupées en longueur d'environ 4 pieds. Elles peuvent être placées dans le bac brun, être ramassées lors de la collecte des feuilles le 6 mai ou des encombrants le 22 juillet. Il est interdit de jeter les branches dans les fossés, les rues, les parcs et sur les terrains vacants. Il est également interdit de faire brûler les branches sans avoir obtenu un permis du service d'incendie de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La direction du service des travaux publics tient à vous informer que les employés de la ville n'ont pas à ramasser les branches qui sont sur votre propriété ni le sable. La régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf s'occupe de ramasser seulement les branches lors de la collecte. Vous pouvez aussi apporter vos branches ou votre sable à l'éco-centre de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, situé au 150 rue Clément-Paquette. Pour informations et commentaires, rendez-vous au www.larigiverte.ca ou encore par téléphone au 1-866-760-2714. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site web de la ville de Fossambeau sur le lac.
Le projet de préau avec glace réfrigérée est prévu pour 2026 pour un montant de tout près de 7 millions de dollars, pourvu qu'une subvention de 4,6 millions de dollars soit accordée par le gouvernement du Québec pour un coût net de 2,4 millions. À titre de comparaison, un aréna coûte aujourd'hui 25 millions de dollars et les coûts annuels d'opération ne sont pas compris dans ce chiffre. L'impact d'un emprunt net de 2,4 millions de dollars, remboursable en 20 ans, est très négligeable et n'a donc peu ou pas d'impact sur le compte de taxes, vu la croissance de la richesse foncière de la ville que nous constatons depuis plusieurs années. En fait, il en coûterait entre 50 sous et 1 dollar par semaine pour un propriétaire d'une résidence moyenne, et ce, pas avant 2027 ou 2028, dépendamment de la variation des taux d'intérêt et des autres conditions de financement, une fois le projet terminé. Lisez l'article complet à la page 5 du journal Le Quatrinois. La ville de Shannon souhaite rappeler aux citoyens qu'une collecte des encombrants aura lieu le lundi 3 juin. Les encombrants sont les articles non recyclables, volumineux ou lourds, n'excédant pas 100 livres et ne pouvant être reçus lors de la collecte régulière. Ils ne doivent pas occuper un volume supérieur à 3 mètres cubes. Notez que pour des raisons de sécurité, un objet jugé trop lourd ou trop volumineux ne sera pas ramassé. Assurez-vous de respecter les consignes suivantes, soit les encombrants doivent être déposés en bordure de rue la veille de la collecte. Un maximum de 3 mètres cubes est ramassé par adresse. Les encombrants déposés dans une remorque ne sont pas ramassés. Les objets à ramasser doivent être déposés à l'écart d'objets non destinés à la collecte. Enfin, les contenants dans lesquels sont placés les encombrants sont ramassés avec les encombrants. Pour connaître les matières acceptées, visitez laregiverte.ca ou téléphonez au 418-876-2714. Lisez l'article complet à la page 5 du journal Shannon Express.
la première édition des Rendez-vous de la Jacques-Cartier approche à grands pas. Ne manquez surtout pas cette série de formations, webinaires et activités de réseautage particulièrement intéressantes pour les acteurs culturels ou les travailleurs autonomes. Mentionnons que la formation Mieux vivre de son art en 2024 a été déplacée au 14 mai prochain. C'est donc la formation Rédiger et présenter son dossier d'artiste ou de projet artistique qui partira le bal. Cette formation gratuite de 3 heures permettra aux artistes de maximiser leurs possibilités de voir leur dossier sélectionné lors de sollicitations. Toute la programmation des rendez-vous de la Jacques-Cartier est gratuite. Seule l'inscription est requise. Pour la programmation complète et pour s'inscrire aux activités, visitez le MRC jacques-cartier.com, section Rendez-vous de la Jacques-Cartier. Le 22 avril, en l'honneur du Jour de la Terre, la MRC vous offre la gratuité pour embarquer dans le bus dans toutes les villes et municipalités de la Jacques-Cartier desservies par le TCJC. Embarquer dans le bus gratuitement peut assurément être un incitatif à essayer le transport collectif pour ses déplacements au bureau ou à l'école. Consultez les horaires de votre municipalité au tcjacquescartier.com. Il est déjà temps de planifier les travaux de remise en état ou d'entretien de l'enveloppe extérieure de votre résidence et de vos bâtiments annexes. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble possédant un intérêt patrimonial, vous pourriez bénéficier d'une aide financière maximale de 20 000 $ dans le cadre du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale. Les travaux de restauration admissibles comprennent la remise en état ou le remplacement des composantes d'origine ou anciennes d'un bâtiment avec des matériaux et des savoir-faire traditionnels. Les travaux de préservation impliquent, quant à eux, l'entretien non destructif des diverses composantes d'origine ou anciennes d'un bâtiment afin de les maintenir en bon état de conservation. Informez-vous davantage sur les modalités de ce programme d'aide financière au mrcjacques-cartier.com, section Programme d'aide restauration patrimoniale. Thank you.
Nous avons soigneusement sélectionné trois annonces du babillard de CCAP.tv de cette semaine. D'abord, en collaboration avec le service d'horticulture, les citoyens de Fossambeau-sur-le-Lac sont invités à construire une cabane à oiseaux. Votre cabane sera ensuite installée en bordure de la piste multifonctionnelle ou dans un des espaces publics de la ville. Afin de connaître les critères de conception à respecter pour votre création originale, rendez-vous sur le site www.fossambeau-sur-le-lac.com. Ensuite, dans un accueil chaleureux et sans jugement, Rafale contribue à soutenir les citoyens de Lac-Saint-Charles et de ses environs. Selon les denrées reçues de Moisson Québec, les paniers de la distribution alimentaire peuvent contenir des denrées non périssables, des fruits et des légumes, du pain, de la viande et des produits laitiers. Chaque participant peut recevoir une aide alimentaire mensuelle et pour en faire la demande, inscrivez-vous en composant le 418-316-5211. Et finalement, dans le cadre de ces repas gastronomiques, c'est l'Outre-mer que la Société française de Québec mettra à l'honneur le 28 avril au 890 Boulevard du Lac avec son repas créole. Les membres et non-membres sont les bienvenus. Pour information et pour inscription, contactez Mme Anne Tremblay au 581-745-2478. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 8 avril. À la semaine prochaine!